Un cours en miracles, version intégrale, 75, chapitre 10, introduction. Les idoles de la maladie. Introduction. Rien au-delà de toi ne peut te rendre apeuré ou aimant, parce que rien n'est au-delà de toi. Le temps et l'éternité sont tous deux dans ton esprit, et ils seront en conflit jusqu'à ce que tu perçoives le temps uniquement comme un moyen de regagner l'éternité. Tu ne peux pas faire cela aussi longtemps que tu crois que des facteurs extérieurs à toi sont la cause de quoi que ce soit qui t'arrive. Tu dois apprendre que le temps est uniquement à ta disposition et que rien au monde ne peut t'enlever cette responsabilité. Tu peux violer les lois de Dieu en ton imagination, mais tu ne peux pas en échapper. Elles furent établies pour ta protection et sont aussi inviolées que ta sécurité. Dieu n'a rien créé hormis toi et rien hormis toi n'existe, car tu fais partie de lui. Que peut-il exister, sauf lui? Rien ne peut arriver au-delà de lui, parce que rien sauf lui n'est réel. Tes créations lui ajoutent comme tu le fais, mais rien n'est ajouté qui soit différent parce que tout a toujours été. Qu'est-ce qui peut te contrarier, sauf l'éphémère, et comment l'éphémère peut-il être réel si tu es la seule création de Dieu et qu'il t'a créé éternel? Ton Esprit Saint établit tout ce qui t'arrive. Chaque réponse que tu fais à tout ce que tu perçois dépend de toi, parce que ton esprit détermine la perception que tu en as. Dieu ne change pas d'esprit à ton sujet, car il n'est pas incertain de lui-même. Et ce qu'il connaît peut être connu, parce qu'il ne le connaît pas uniquement pour lui-même. Il t'a créé pour lui-même, mais il t'a donné le pouvoir de créer pour toi-même afin que tu sois comme lui. Voilà pourquoi ton esprit est saint. Peut-il y avoir quoi que ce soit qui excède l'amour de Dieu? Peut-il y avoir quoi que ce soit, donc, qui excède ta volonté? Rien ne peut t'atteindre d'au-delà de celle-ci, parce que, étant en Dieu, tu englobes tout. Crois cela et tu te rendras compte de tout ce qui dépend de toi. Quand quoi que ce soit menace la paix de ton esprit, demande-toi, Dieu a-t-il changé d'esprit à mon sujet? Puis accepte sa décision, car elle est certes inchangeable, et refuse de changer d'esprit à ton sujet. Jamais Dieu ne se décidera contre toi, sinon c'est contre lui qu'il se déciderait.